Alors, c'était il y a 6 ou 7 ans, j'étais chez mon père à Santiago. Et la radio était allumée, un journaliste évoquait les manifestations des jeunes en France et l'éducation. Le chroniqueur rendait compte de l'éducation publique française et de sa détérioration. Et je me souviens de la conclusion de sa chronique, il a dit à peu près cela. Si l'éducation publique en France est en danger, que reste-t-il pour les autres pays, pour nous autres, alors que la France est un exemple pour de nombreux systèmes d'éducation dans le monde? Aujourd'hui, si j'évoque cette anecdote personnelle, c'est pour faire écho aux fabuleuses manifestations des étudiants au Chili, dont on entend parler depuis 4 mois. Étudiants qui payent mensuellement dans une université privée 300 euros et plus, somme qui correspond en France à une année d'études. À titre informatif, le salaire moyen au Chili est de 250 euros environ par mois. Alors, comment font-ils? S'endetter, cumuler des boulots. Mais alors, salvadorien dans tout cela. Eh bien, durant son gouvernement, des journées complètes pour les enfants entre 0 et 6 ans ont été mises en place, ce qui incluait l'alimentation, l'éducation et les soins de santé. Dans l'éducation primaire, l'objectif fut de scolariser à 100% les enfants entre 6 et 14 ans. Il a favorisé l'entrée des ouvriers, paysans, bref, des plus démunis à l'université. Il a augmenté le nombre de professeurs. Une politique d'alphabétisation a été mise en place. Avec le décret de démocratisation de l'enseignement, les étudiants ont pu élire librement les responsables des centres étudiants et les fédérations universitaires. Les gens le savent, l'éducation est le meilleur outil pour émanciper les peuples, pour les rendre conscients des problématiques, mais aussi pour lutter pour nos droits. Ainsi, ici et là-bas, on veut nous faire croire que l'éducation publique ne vaut plus rien. Mais on le sait bien, c'est une précarisation programmée qui est à l'ordre du jour, toujours dans le désir de nous séparer, de nous diviser, de faire en sorte que les plus démunis soient destinés à certains métiers pour les faire travailler sous n'importe quelle condition. Je terminerai par un extrait d'un discours de Salvador Allende en 1971, lors de la rentrée des classes. Professeurs de ma patrie, vous qui avez traversé des moments durs, dont le travail parfois est peu reconnu et même nié, vous qui avez aussi des martyrs qui ont payé de leur vie la volonté d'offrir aux enfants une vie différente, vous êtes ceux en qui le peuple doit avoir confiance. C'est en vous que reposent aussi les transformations de la société, car vous êtes ceux qui éduquez l'enfant qui demain sera un citoyen. Nous venons d'entendre sur les luttes actuelles de la jeunesse chilienne au regard des valeurs que Salvador Allende défendait déjà il y a une quarantaine d'années. On visualise cette continuité, on la mesure dans toute sa richesse et on prouve ainsi que 38 ans après, il est toujours aussi nécessaire de se retrouver devant la stèle de Salvador Allende et à la fois pour certains de se souvenir des moments qu'ils ont vécus et pour d'autres de les méditer pour mieux se projeter dans un avenir qui n'est pas rose et un présent qui est souvent bien difficile. Oui, mes amis, au-delà d'une souffrance qui ne s'éteindra jamais pour les plus anciens d'entre nous, Salvador Allende sera toujours une leçon pour nous. Villeneuve d'Ascq mène second pas avec son équipe. La richesse de ses associations pour défendre et faire grandir cet idéal, surtout en ce moment. J'ai actuellement 29 ans. J'ai retrouvé mon passé qui, dans mon cas, fait office de présent. J'ai appris pas mal de choses, notamment l'existence d'une famille que j'apprends peu à peu à connaître. Je ne suis pas peu heureux de ce qui m'arrive. Je suis pas content de participer aux mobilisations pour les étudiants et étudiantes du Chili. C'est une manière pour moi de me réapproprier une partie de ce que je considère unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será.